Parlons formation dans cette édition. Dans le paysage des écoles d'affaires en Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec Abidjan Business School, école de commerce. Cette nouvelle école située à Coco di Riviera Golf a officiellement lancé ses activités ce 11 décembre 2023. Un lancement à l'hôtel Ivoire avec l'animation d'une masterclass sur l'intelligence artificielle en Afrique. Konina Nougou et Marius Seri. Offrir à la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité maîtrisant les rouages des affaires. C'est le cheval de bataille de Abidjan Business School École de Commerce, une nouvelle école qui vient d'ouvrir ses portes à Abidjan, précisément à la Riviera Golf. Avec des formations en langue française et anglaise, Abidjan Business School École de Commerce propose déjà deux formations. Nous lançons un CBA, un certificat en business administration, un certificate in business administration, qui est un certificat en administration des affaires. Pourquoi un CBA? Un CBA, c'est un programme de moyenne durée, disons-le, 6 mois à Abidjan et 1 mois, un séjour de 2 semaines à 1 mois dans une université partenaire en Suisse ou au Canada. Et Abidjan Business School École de Commerce démarque avec les sujets d'actualité, d'où le choix du thème « Intelligence artificielle, danger ou opportunité pour l'Afrique » pour lancer ses activités. Eh bien, en fait, on a dans l'intelligence artificielle la capacité d'anticiper beaucoup mieux la manière dont on fait l'agriculture. Et typiquement, on peut avoir comme ça, avec des systèmes automatisés, des décisions rationnelles qui se prennent avec le bon timing. Et de ce point de vue-là, c'est clair que c'est un avantage. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de l'intelligence de la machine, mais il faudrait que l'intelligence humaine soit préparée à accueillir et à collaborer avec cette intelligence de la machine qui, si on ne sait pas la contrôler, elle va nous dominer. Et en plus, ce sont les nations qui vont dominer cette intelligence artificielle qui vont continuer à gouverner le monde. On a parlé de cybercolonisation, c'est-à-dire c'est une colonisation digitale, une colonisation numérique. Et vous voyez déjà l'effet de cette colonisation numérique sur nos sociétés. L'innovation, le pragmatisme et l'ouverture internationale sont les valeurs de APSEC, Abidjan Business School École de Commerce. Cours magistraux et les études de cas basées sur l'environnement des entreprises sont les modes d'enseignement de l'école.